Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deux champions, puisque aujourd'hui ce sera Kindred qui sont en fait deux champions, loup et agneau. Donc c'est un champion tireur, donc comme les AD Carry, mais qui se jouera dans la jungle. Pour cette vidéo, j'irai sur la botlane histoire de vous montrer les spells de manière un peu plus tranquille. Mais sinon, donc il se jouera plutôt jungle. Alors, son passif. Marque de Kindred. Agneau et loup marquent tous deux des cibles à chasser. Agneau peut choisir un champion à chasser en cliquant sur le bouton situé sous l'icône de sa compétence passive. Loup a régulièrement faim et il chasse les monstres de la jungle. Tuer ou participer à l'élimination de cette cible renforce définitivement les attaques de Kindred, leur permettant d'infliger des dégâts physiques supplémentaires, équivalent à 1,25% des PV actuels de la cible. Donc en gros, si on tue la cible, on gagne des dégâts supplémentaires. Après une chasse fructueuse, Agneau ne peut plus chasser le champion éliminé pendant 4 minutes. Donc on va attendre de voir qui on aura à la botlane. Et on va aller comme ça. Ah bah bon, moi j'ai pas pris le smite. Tant pis, tant pis. Donc le premier sort, c'est la danse des flèches. Agneau fait une cabriole et tire sur un maximum de 3 cibles proches, infligeant des points de dégâts physiques. Et lancer frénésie de loup, ou faire une cabriole dans la zone de ce sort réduit le délai de récupération de danse des flèches de 2 secondes. C'est-à-dire que si, quand on fera frénésie de loup, et qu'on fera donc la danse des flèches, il y aura un délai de récupération réduit de 2 secondes. Alors, bon, on va le prendre. Et donc, si j'ai bien compris, c'est un dash vers notre curseur. Ah, ok, ouais. Bon, bah. On peut quand même choisir. Donc là, je vais dasher et hop, ça enverra 3 flèches. Donc d'après ce que j'ai lu sur la présentation du champion par Riot, le fait de marquer un champion ennemi, ça va quand même être assez... ça met une pression supplémentaire, puisque bah, si je le tue, ça me rendra plus pété, quoi. Ah, une double de carry, ok. Donc on va mettre sur Tristana. Ce sont des bots, hein, comme d'habitude. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude de me voir jouer. Voilà, bon. Du coup, est-ce que ça a marché? Oui, j'ai gagné 1,25%. Ah, et comme vous pouvez le voir, là, il y a un symbole. Donc j'imagine que ça doit être le... Pourquoi il y a Tristana qui est comme ça? Sans doute parce que je ne peux plus la sélectionner. Donc comme Graves est là, on va... On peut rien faire, alors je ne sais pas pourquoi. On verra plus tard. Frénésie de loup. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Si ça veut bien marcher. Passive. Kindred cumule des effets de vigueur du chasseur en se déplaçant. Jusqu'à un maximum de 100. À 100 effets cumulés, la prochaine attaque de base d'agneau vole 0 PV à la cible. Mmh. Ok. Active, loup marque son territoire, attaquant les ennemis proches dans la zone pendant 8 secondes. Agneau peut l'orienter vers des cibles précises en les attaquant. Si Agneau quitte le territoire de loup, ce dernier cesse d'attaquer et rejoint Agneau. Les attaques de loup infligent des points de dégâts physiques et en incluant 40% des dégâts de marque de Kindred. Ok, ça m'a l'air assez compliqué tout ça. On va bien voir. Hein. Alors voilà, maintenant on va choisir Graves. Pourquoi est-ce que... J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Ah, c'est ma cible, voilà, il y a un truc autour de lui. Ah, mais non, c'est son passif. Alors, Graves, je te choisis. Et donc... Pourquoi est-ce que ça ne m'a pas augmenté ça? Amener à bien une chasse. Ces attaques infligent des dégâts physiques supplémentaires équivalents à 1,25% des PV actuels de l'ennemi. Bah je l'ai tué, non? Je ne comprends pas trop. Ok, c'est bizarre. Alors, on va refaire le W parce que je l'ai pas très bien compris non plus. Oula, bon bah on regardera le E après.
Je cumule des effets de vigueur du chasseur en me déplaçant jusqu'à un maximum de 100. À 100 effets cumulés, la prochaine attaque de base. Ok. Donc là, ça a volé. Voilà, ça m'a récupéré de la vie. Et comme j'en avais pas perdu. Et donc si on active, ça marque le territoire. Les ennemis proches prennent des dégâts pendant 8 secondes. Et je peux l'orienter selon... Hop. Donc voilà, je me concentre un petit peu pour faire cette action de toute beauté, les gens, enfin, un flash quoi. Et oui, ça j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que je ne peux pas changer, mais bon, c'est pas grave. Enfin, je peux changer. Quel est le E? Voilà. Terreur mortelle. Estropie un ennemi réduisant sa vitesse de déplacement de 70% pendant une seconde. Si Agneau attaque la cible deux fois de plus, sa troisième attaque envoie Loup sur l'ennemi. Pourquoi est-ce que ça bouge là? Je sens l'odeur d'une proie. Pour infliger d'énormes dégâts physiques. Loup inflige des dégâts physiques équivalents à... What? 80 plus 17 plus 5% des PV max. Ok. Ça m'a l'air pété tout ça. Donc on va... Il faut que j'attaque deux fois en gros. On va faire ça sur elle. Ok. La meuf elle a eu... Elle a tellement eu peur. Donc voilà, j'ai récupéré une deuxième, parfait. On va back. Et on va voir comment fonctionne... Mais ça, je sais pas pourquoi il y a ce symbole-là ici. Ok. Mais voilà. Donc, l'âme du roi déchu... Oh, j'en sais rien. On va partir AD, mais je pense qu'on partira pas autant AD que ça dans la jungle. Déjà, on fera l'item... L'item, comment on appelle ça? Bah, la machette, quoi. En fait, j'aurais dû TP top, c'était une erreur ça. Tous les fuyards sont à moi. Alors là par exemple, on peut faire peur un peu aux ennemis. J'enchaîne. Fais gaffe à toi quoi. Et voilà. Donc c'est assez cool. Et puis il est tellement stylé quand même ce champion. Enfin au niveau des graphismes je trouve qu'il est vraiment cool. Voilà voilà. Alors est-ce qu'il y a un cooldown pour ce truc? Non. On peut marquer un ennemi pendant longtemps quoi. L'ulti je vous le dirai juste après. 1, 2, 3. Et voilà. Mais il attaque pas super super vite non plus. Hein. Le passif, il a une minute de cooldown, ok. Et l'ulti, Agneau bénit le sol sous les pieds d'un champion allié pendant 4 secondes, créant une zone dans laquelle aucune créature vivante alliée ou ennemie ne peut mourir. Une fois à 10% de leur PV max, les unités deviennent insensibles aux dégâts et aux soins. Quand la bénédiction se termine, toutes les créatures vivantes dans la zone récupèrent 200 points de vie. Donc en gros, on peut même sauver les ennemis, quoi. Et c'est ça qui est un peu... Donc, admettons. On va aller au bot, tiens. On va aller au bot. Et on va resélectionner Tristana. Parce que Tristana... Ou alors peut-être... Moi, non, Graves, je peux pas. On va faire Tristana. Du coup, elle va avoir trop peur, quoi. Et je vais la sauver avec mon ulti, tiens. Voilà. Voilà, je vais la sauver là. Comme c'est bête, j'ai sauvé Tristana. Mais bon, elle s'est pris un ulti de Graves derrière. Mais à un moment, il y a eu un truc écrit genre... Kindred... Blablabla. Bla bla.
En gros, c'était un Zhonya parce qu'elle est tombée à moins de 10% de ses PV max. Alors, si on max le Q-Spell, ça augmente les dégâts et baisse la récupération. Enfin, on dirait, mais 8,1. Donc, je crois que ça change rien. Le deuxième, ça augmente les dégâts et réduit la récupération. Et le E, bah, la même chose. Tout, ça augmente tous les dégâts et baisse la récupération. Donc, voilà, voilà. Ah, il fait quand même des bons dégâts. Hein. Et là, on a déjà 5% dégâts supplémentaires actuels, quoi. Les PV actuels de la cible, ça veut dire que, ben, contre les tanks, c'est vraiment fort. Le dash, est-ce qu'il peut traverser des trucs? Et voilà. Ah mais il est tellement beau. Mes griffes vont déchirer leur chair. Il bug ou je rêve? Alors en deuxième, est-ce que je maxe ça? Les dégâts donc de loup. Ouais, ça attaque les ennemis proches. Ouais, 40% des dégâts de la marque de Kindred, c'est fort quand même. Hein. Et ça. Bah tiens, elle est là. What? Genre il m'a contrôlé alors que j'étais pas dessus. Bim! Et là, comme je vais crever, hop! Non! Ah! J'ai fait du caca! J'ai fait de la merde en boîte. Donc voilà. On va se la jouer comme ça. Mais le stuff, je pense qu'il est pas bon du tout, hein, donc vous ferez le stuff conseillé ou que sais-je d'autre. Et donc en gros, Q-Spell, c'est un dash qui tire sur les trois cibles proches et qui fait des dégâts physiques. A savoir que si vous avez déjà lancé le W, le cooldown est réduit de 2 secondes. Donc le W, c'est un truc qui peut vous rendre des PV si vous avez sans charge. Donc voilà, là j'attaque. Et hop, bim. C'est cool. Et le E, donc c'est quelque chose qui. C'est un slow qui peut infliger des points de dégâts supplémentaires sur les PV max si vous l'attaquez 3 fois après avoir infligé le E. Si je me trompe pas. Hein. Si Agneau attaque la cible 2 fois de plus, sa troisième attaque, voilà. Ah par contre, là, je vais aller voir le Gromp, parce que je crois que c'est la cible de loup, puisque lui aussi il peut chasser quelqu'un. Donc on va prendre Tristana comme cible, parce que... Bah les squishy. Mais là, le Gromp, normalement... Alors, normalement, c'était censé être ma cible, hein. Je sais pas si c'était considéré comme tel. Alors maintenant, elle devrait prendre super cher. Un allié a été tué. Les dégâts monstrueux que ça colle. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, je suis fille, j'ai une soif de sang. Voilà. Oups. Par contre, je pense qu'elle jouera un peu plus vitesse d'attaque. Enfin, elle. Je sais pas si c'est une fille ou... Enfin, personnage féminin ou masculin. Mais... Alors. 1, 2, 3. Donc, regardez. Hop. Je fais mon Q-Spell. Ah non!
En fait, c'est pas que ça réduit de 2 secondes, ça réduit à 2 secondes. Donc en gros. Nul ne peut se Ah cacher. ouais, non, mais ça veut dire qu'en gros, si je dash dans mon truc, je peux dash, 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 dash plein de fois, quoi. Active, donc Et on va choisir partout à ma où chaîne, allait on peut la pas le lune, choisir. Justement, le seul que j'aurais bien aimé. Ça réduit à 2 secondes, donc on peut vraiment dash plein de fois, quoi. Je pense que c'est comme ça que ça junglera, hein. Bah écoutez, je sais pas s'il y a encore grand chose à vous montrer par rapport à ce champion. L'ulti, ben. Il n'y a pas vraiment de situation. Bah là, j'aurais pu sauver clairement la Zyra, mais bon, comme Shogat n'a pas l'air de vouloir l'attaquer, ça devrait aller. Mais alors, qu'est-ce que je voulais voir? Voilà. Loup a régulièrement faim et il chasse les monstres de la jungle. Donc ça, en gros, ben, je pense que ça fait des dégâts supplémentaires sur le monstre choisi. Je sens l'odeur d'une proie. Bon bah salut toi. Et voilà, et voilà. J'ai presque envie de le sauver, voilà. Ah bah merde, j'ai mal positionné. Comme il me troll ce gars. Je me demandais juste un truc, est-ce que le dash peut permettre de traverser des murs comme celui-là? Oh, stylé! Attends, il se fait le drink aussi facilement? D'accord! D'accord, easy! Easy Drake! Et lui, bon bah voilà, on va le tuer, puis ça va finir. Hein. On va le tuer, tac! Hop, l'auto-attaque. L'auto-attaque aussi. Oh, c'est le moment du penta! Je sens que je crevais. Le gars, il a taunt automatiquement, quoi. Bon, j'aurais pas eu le quadra. Mais voilà, donc on va regarder le bac de Kindred. Donc ce sera le premier, comment on appelle ça? Le premier tireur dans la jungle. J'espère que vous aurez du plaisir à le jouer. En tout cas, son gameplay a l'air assez fun. Et puis voilà, enfin, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, sur ce que vous auriez aimé voir dans la vidéo, ce que j'aurais pu faire pour, la rendre plus intéressante. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Bye.